Bien le bonjour à tous et bienvenue dans la partie 8 de God of War 2. Je suis Ultimate John Doom. Nous venons au résumé d'effectuer la partie suivante des voyages dans les terres désolées et que nous avons atteint le grand abîme que nous allons essayer de passer, mais Icare nous a empêchés parce que il croit encore que son destin est à lui. Pour atteindre les trois sœurs, et que malheureusement à cause de lui nous sommes tombés au tréfonds des abîmes pardon, pour retrouver de nouveau Atlas qui maintenait le toit des enfers et aussi maintenir le monde sur ses quatre bras, et que nous avons découvert comment pour pouvoir remonter. Nous avons convaincu Atlas que nous allons anéantir Zeus ainsi que l'Olympe et que il nous accepte de nous faire monter en donnant une partie de son pouvoir et aussi de nous remonter vers le droit chemin. C'est parti pour la suite. Il me faut directement de la santé, comme ça c'est bon. Palais des Moires. Le palais des Moires. Oh là, un cyclope. Wow! Seize d'Atlas! Encore! Un œil de cyclope de plus, et il en faut 20. Je ne pense pas que j'y arriverai à obtenir 20 œils, 20 yeux de cyclope. C'est verrouillé. On ouvre la porte. Ok, c'est bon. Il y a une autre épreuve à l'intérieur. Faudra faire attention. Ça va être périlleux. Autant observer. Il y a un cadavre ici. Trois coffres rouges. On ouvre.
chance. Ah, ça pique. Moigny manivelle, ok. Ouf, je suis passé. Faisons vite, allez. Hop. Non, 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 non. Punaise, ils m'ont fait rater ces créatures. Et on peut refaire aussi. Chouette. Arrête! Non, je suis bloqué! Punaise, à cause de ces créatures, je n'ai pas eu le temps. Ouch! Je prends ça et vite. Ok, on pousse. À moins que je peux faire ça. Là, je bloque le passage. Ça donnera du temps de passer de l'autre côté. Attends. Autant je suis là, je vais améliorer ça. Lame d'Athéna niveau 5 accrue et courroux du tartare. Super! Les lames d'Athéna sont maintenant au maximum. Je vais augmenter celui-ci. Seims d'Atlas, dégâts accrus, amélioration, tremblement de terre. Non, ça marche pas. Il manque encore quelque chose. Mais quoi? Il faut le crâne du guerrier pour déverrouiller cette porte.
Voilà, manivelle placée. C'est bon. Contrôle du temps. Ok, je ne suis déjà qu'à 10 minutes. J'ai le temps de faire vite une grosse partie des niveaux. Mince, j'ai raté mon vol. J'ai raté mon coup. Je pensais qu'il y avait quelque chose, mais non. Ouf. Ok, je suis passé. Allez! Encore! Ouais! Quel est cet endroit? Voyons ce qu'il y a ici. Salle de Lachesis. Lachesis. C'est écrit dans une langue inconnue. Seuls les membres qui travaillent ici dans le domaine des moires peuvent les lire. Si j'amène la pierre là, ça pourrait mettre un poids de plus. Ah, quel ricochet. Hop là! Et hop! Viens ici, toi.
Vous devez protéger le traducteur. Reste là. Viens là. Gourou de Chronos. Amenons le traducteur ici. En voilà d'autres. J'ai oublié les paroles. Lis. Lis. Recherche ce que seules les sœurs peuvent donner. Lis ça. Comme preuve de sa très grande valeur. Non. Pitié, non. Je ne peux pas. Lis. Sacrifice. De mon sang. S'il faut le tuer. Alors qu'il en soit ainsi, pour pouvoir progresser. Ouh, ça c'est énorme. Un hologramme des sœurs. Beau travail, guerrier. Ce sacrifice montre bien ta détermination à voir les sœurs et le destin. Toutefois, il ne s'agit que d'une étape minime sur le long chemin qui mène à l'Alliance. Si on prend ce symbole, on peut pouvoir ouvrir des portes. Vous avez la clé du bélier. Ok, on avance. Juste un instant. Voyons, voyons, voyons.
rayon. Ça, il faudra que je l'améliore. Comme ça, je suis bien lancé. Allez, une grille et c'est parti! Attends, il y a quelque chose ici. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un coffre. Cinquième plume de phoenix, sixième en fait. Sacrifice accepté, magie augmentée. Ouvrons la porte du bélier. C'est parti. Porte déverrouillée. Et hop! Ou ici, il va y avoir une poursuite. Nous ne te permettrons jamais d'atteindre notre temple sacré. C'est ce qu'on va voir, sœur du destin. Colère des titans. En appuyant sur la touche L1 et R1 pour faire un déchaînement de pouvoir. Tu ne sais pas ce que tu fais. Il y a des choses bien plus importantes que ta vengeance. Zeus a fait ce qu'il devait pour protéger l'Olympe. Jardin des dieux. Gaïa ne cesse de nous effrayer et des mensonges. On ne peut pas faire confiance aux titans. En toi, Zeus craignait la destruction de tout ce qu'il représente. Désolé que je n'ai pas lu, mais je peux dire une chose, je connais déjà chacun des dieux. Et n'écoutez pas les mots de Athéna qui essaie de raisonner Kratos. Car c'est trop tard. Mince, j'ai fait le mauvais pas. En toi, Zeus craignait la destruction de tout ce qu'il représente. Thank you.
avance. Il y a un petit passage en dessous, et je ne sais pas si c'est une bonne idée. À moins que... Évidemment, j'avais bien... Il me semblait bien qu'il y a un passage en dessous. Sixième œil de Gorgone obtenu. Sacrifice accepté. Niveau 2, santé augmenté. Plus j'ai des orbes rouges, plus je suis bien lancé. Les chaînes s'en sont détachées. Les sœurs exigent un sacrifice par le feu. Pas suffisant, il en faut plus. Ach! C'est bon. Encore un tout petit peu. Sonné. Voilà, c'est bon. On peut passer maintenant. On va devoir Il y a beaucoup de cadavres humains. De nombreux sacrifices qui a rempli cette partie. Deux coffres rouges. Ça en fait des orbes. Tête de Riel passe au niveau 2. Je vais l'augmenter tout de suite. Il passe au niveau 3. Et Fureur de Gorgone, oui. Ok. Il est au niveau max. Devoir et résoudre une énigme ici.
c'est bon. Si on met la sphère ici. Voilà. Si on utilise le feu, on peut peut-être réussir. Attends. J'ai déjà 33 minutes, je vais me dépêcher pour celui-ci. Voilà. Chose là-bas. Il y a un Minotaur ici. Yeah! Toi, s'endors. Attends, je vais essayer de faire le tour. Hmm.
dirige le miroir jusque-là, ça sera parfait. C'est bon. Maintenant que c'est dégelé, on peut tourner la tête du phénix enflammé. Prenons le coffre qui est ici. Deuxième plume du phénix. On continue. Il y a un coffre rouge ici. Et voilà, on ouvre la porte. Allez, on monte. Voilà. Voilà d'autres. Même là-haut aussi. On sent. C'est bon. Sang. J'ai 41 minutes, je me dépêche. Voilà. Attends. D'autres créatures. Thank you.
Tiens! Bon sang, il s'est transformé en Cerbère, le petit chiot. Ah, voilà une sauvegarde que j'attendais. C'est ici que je vais arrêter la vidéo. J'espère que cette partie de vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker et partager à ceux qui sont fans du rétro gaming. Et surtout, n'oubliez pas que la passion jeux vidéo et rétro gaming continue à suivre dans la prochaine partie.